Super le date d'Andrew, Et ça va, super. Oui. Oh, ça va, hein, il m'a arraché la jambe. Vas-y, vas-y. Je sais pas, ils allaient m'allumer. Frère, hey, à moi je prends ta bécane. Ouais, vas-y, vas-y. Melvin. Attends, viens vite fait. T'as pas faire Melvin Sarley Crow du niquer sa mère. Et con quoi, je l'ai demandé. Melvin. Vas-y, ouais. En fait, ils ont retrouvé le straighter. J'arrive, je vais juste les suivre. Mais pourquoi? Non, mais je veux juste parler. Au pire, prenez bah, une chambre, vous aussi, venez. Mais eh, c'est quoi, va régler le truc tout seul, vas-y, on s'en non, bat mais au pire, les couilles, venez, venez, vous aussi. Moi, j'en ai marre, je vais sortir. Là. Gros, mais il y a mais des en fait, c'est pas mieux d'attendre parce qu'il a dit. Ouais, stretch. Il a dit, il voulait nous redire. Hein. Là, si tu y vas, ils vont peut-être croire que tu veux lui faire un. Non, tu veux leur faire un guet-apens. Hein. Fais-le pas, fais-le pas. Vas-y. Non, mais justement, je veux pas faire de guet-apens, Naya. Ouais, bah justement, mais si t'arrives comme ça, ils vont peut-être. Avec ta dégaine là. Non, mais au pire, on leur dit de venir au 24-7. Au pire, ouais, voilà. Vas-y, laisse-les finir leur bail là, on verra plus tard. C'est encore un projet en plus. Pas rester ici vas-y, là, vas-y, comme des clampins. Je vais venir pris. C'est toi le clampin. Ouais. C'est toi là. Ouais. Tu vas faire tes bails là, tu préviens même pas. Toi, on là, aurait tu... su, il se serait jamais non, passé là, ça. En plus, c'est une sorte de merde parce que ce truc ça fait même pas mal. Ça fait même pas mal, vas-y, t'as croussé. Sur le moment, mais. Putain, culé. Eh hey Dandy, où ma bagnole? Non, enfin, clairement pas. Non mais, c'est à qui le 4x4 là-bas là? À moi. Mais c'est une arnaque la banquette arrière. Ah. Et puis on bouge hein. Non mais... C'est bon, détends tes nerfs. Comment ah ouais, bon tendu. C'est bon, mais attends, je suis ah ouais, en train de pour pas qu'on me vole. Il laisse sa brouette. C'était pour pas qu'on me vole le véhicule. Qui va te la voler même. Ok, je t'emmerde. Grognasse. La bâtarde. Ça l'est arraché là. Sorcière. Va. Chigui aussi. Rageux. Rayou, la vie de ma mère répond pas. Ouais, la vie de ma mère, il répond pas. Oui. Bonsoir. Bonsoir, la vie de ma Soir. Mère. Vous allez bien? Ça va et toi? Bonsoir, moi, ça va. Il prend pas la peine. Ah, j'aime bien tes chaussures, toi. Ah ouais? Ouais, incroyable. Ça va quoi? Je fais du basket, mon gars. C'est ton meilleur joueur de basket. Écoute-moi bien, Eli, là. Va venir, date, hein. Ton cul, unicorn, dépêche-toi. Ça date, tu mets des trucs de basket, mais tu connais pas. Ah ouais, ça date, hein. Ah ouais, ça date. Non, Valetto, t'abuses, frère. T'aimerais pas moi, tu viens en deux spies, s'il te plaît. Non. Vas-y, t'as arrêté mon sang. C'est bon, il arrive. Ouah, trop de ouf. Vas-y, envoie une pause, JIT, et écrivez Eli dessus. Moi, je peux le faire. C'est pas vrai, ouais. Quoi que. Tu peux m'offrir cette voiture avec cette peinture. Ah, c'est bon, il est laser. Let's go! Laser, laser, ouais. Y'a pas un fantôme? Ah, je garde la thune là pour acheter une voiture. Ah, quoi? Ah, mais y'avait un fantôme, c'est bon, tranquille. De vraie histoire. Bonsoir. Bonsoir. Rayo Unicorn. Comment ça va? C'est moi. On est venu consommer. Consommer, vous voulez consommer quoi? Un petit whisky, je veux plus, bien. Plus rien à moi, consommer, un petit truc sans alcool. Ça fait longtemps. Alors, un whisky, un petit truc sans alcool. Et vous deux, ouais, qu'est-ce que merci, vous voulez? Lizzie. Whisky. Whisky. Et whisky. Et toi? Whisky. 4 whisky, un truc sans alcool, c'est noté. Voilà. Oui. T'as commandé pour moi, là? Ouais. Ok. Un bonhomme, tu vois, des whisky. Je préfère le cognac. Mais des treillis. Casse mes couilles. J'allais en rajouter, mais on va pas dire qu'il est fort. Ça va faire des bails, là, en secret. Qu'est-ce que ça va faire des bails? On prévient pas la famille. Voilà. Hop. Ferme-la avec tes crocs au bras, là, tu sais pas baisser une arme, espèce de bâtard.
Ça, c'est pas baisser les armes. Ouais, ouais, bah moi. Ça, c'est pas fermer sa gueule. Moi, je laisse pas mes frères. Bah ouais, ouais. Au moins, ça, vous le saurez. Tu les laisses pas jusqu'à finir en tapis, paillasson, sur le sol. C'est mon trait de caractère, yo. Ouais, là, le trait de caractère. Ouais. Alors, monsieur, c'est un truc sans alcool. C'était ça pour c'est vous. C'est ça. On sait que les renforts, ils allaient arriver, hein, Smokey. Timon, il m'a dit j'arrive. Ah ouais. Un petit whisky mais pour toi. Il me dit j'arrive, je dis il arrive. Faites quoi avec des sacs à dos là? Merci Lizzie. Vous voyez, on est. C'est Andréa. Madame, tu préférais le cognac, je t'ai mis madame, un cognac. Cette jolie jeune fille. Madame, je vous aime. Cette jolie jeune fille, elle souhaiterait travailler parce qu'elle a pas de travail. Ouais, en fait, bien qu'elle fasse quelque chose. Ah, c'est vrai. Cette tu te tais, mais tu peux fermer ta gueule et me laisser parler. Attends, je sers le dernier whisky. Attendez, je sers le dernier whisky. Pardon, madame, pardon, mademoiselle. Ah oui, pardon. Oui, c'est au machin qu'il faut l'offrir. Voilà. Et qui paye la? C'est lui là, c'est le machin que vous êtes en train de servir. Ouais. Ok. Commande pour les autres, qui paye pour les autres, hein, bonhomme. Hein. C'est toi, je te mets tu dois bien ça. T'inquiète. Ah ouais, tu dois bien ça, ouais. Ton nom, s'il te plaît, monsieur. Qui doit bien quand ça. Même, les gars, non. Ouais. Intense. Lloyd. J'ai cru que j'allais calmer. Et voilà, Lloyd. Du coup, toi, tu cherches un taf, c'est ça? En fait, ouais. Je vous explique. Avant, j'étais videuse ici. Sauf qu'en gros, entre-temps, j'ai eu le cancer et quand je suis revenue, ça a changé totalement de patron et j'ai été virée, en fait, contre mon gré, quoi. D'accord. Ouais, mais là, tu peux fermer ta bouche. Attends, attends, mais ta bouche. Ah, dis-tu de fermer ça. Mais excusez, j'ai des cheveux. Non, Pantera, là, s'il te plaît, je suis en train de parler avec le futur employé. Voilà, merci. Viens avec moi, on va parler tranquille. Vas-y, viens avec moi. Vas-y. Non, pas toi. Ah, merde. Tu vois, pourquoi t'as un casque d'Angel, truc? Tu peux y aller seul. Parce qu'on me l'a passé. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Ça t'aime pas? Putain, ouais, si, j'aime bien la flamme. Est-ce que t'aimes pas le casque AOD? Si, j'aime bien, en vrai. Trop beau, Pantera. Ah, tu vois? L'homme. J'ai la classe. Oh. Et j'aime surtout la voiture dehors avec les Du coup, quand je me fais tirer dessus, je passe à temps. Ça va. Ils sont c'est la mécano. Oui. Mécano. On t'appelle déjà, toi. Sarah. Ouais, Sarah. Voilà. Si on me tire dessus, je vais faire ça. Je tank. Ouais, j'avoue. C'est comme à la guerre mondiale, là. On va m'appeler Brome. Ils sont hyper chez toi. Je sais pas. T'es tout seul, Pantera, ce soir? T'es où? Non, il y a Zermano. Il y a Erdona là. T'es tout triste comme ça là. Je suis pas triste. Elle danse la dame ou pas qui vient de passer là? Oui, j'ai dit. Pas du casque qui tire ta tête? Non, j'ai dit justement avec ce casque, je vais tenter comme Brome. Ouais. Pour ceux qui ont la ref, je suis seul. On va lui demander, Lloyd. Comme ça, ils sont les voitures. Je cours chez eux. Je la connais. T'es un bélier quoi. Voilà, exactement. Tu es capable de lui demander. Ah ouais. Tu me lances un gros bouclier humain. Quoi, demander quoi? Tu viens avec nous quand on fait des dehors, petits si entraînements de tir, tu vois. Comme ça, c'est pas moi qui finirai à l'hôpital. Hein. Pourquoi tu veux pas demander? Tu veux faire des entraînements de tir? Je vais lui montrer, moi je vais demander. On va prendre des renseignements. Je vais demander. Des vraies balles. C'est pour un pote, tu vois. Tu veux parier? À la blonde là? Ah non, l'autre. Non, c'est la blonde, je crois. Ça perd ses couilles. Ah, il est où? Ah, il est où? Bah, vas-y, Smokey. Ouais. Ça perd ses couilles. Il est où? C'est dur, hein, moi. Ça y est vif. Attends, mais c'est où ou pas? Si je vous fais la guerre, vous, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. La garde de quoi? Je vais la balayer. Ah ouais, elle grognasse un peu. Attends, la voiture là. Attends. Observation. Chut, position, les gars. Ah, c'est le gars que je me suis battu tout à l'heure. Venez. Ah, sans ta chop. Ah, te rappelles de moi, petit enculé. Waouh. Rappelle que. Oh, viens là, t'inquiète. Ah, attends, rappelle de moi. Tu es bâtard. Ouais, je me rappelle de toi. Hein? Ouais, je me rappelle de toi. Là, tu fais quoi maintenant?
Ah, t'as ramené tes petites copines, c'est ça, espèce de copine, hein. Ouais, 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 ouais. Copine, toi, bien, range-moi ça de suite, s'il te plaît. On se détend tranquille. On se détend tranquille, putain. Qu'est-ce que tu veux, toi, là, ce qui se colle derrière? Tu te rappelles ce que je t'ai fait au coiffeur? Tu te rappelles ce que je t'ai fait tout à l'heure au coiffeur? Il m'a dit qu'il avait des pétards sur lui, je dis ça, je dis rien. Ah, t'as des pétards. Oh, je suis un calibre, là. Allez, lève les mains, gros con, là. Oh putain, oh putain. Il faut que ça allait marcher avec moi là. Merde, ça allait marcher avec moi là. Vas-y, par contre, je viens vraiment de me faire braquer là, c'est vraiment pas drôle. En plein dans le Belize. Incroyable, mécano. Vous avez pas pris un pétard au gars? Attention, je vais sortir mon arme de mon coffre, fais attention à ton attention. Cul. Oh, il va nous sortir un bout de courroie. Avec sa voiture qui tombe en ruine là. Non mais je vais la... Allez, je le sors, je le sors. Ayo, tu non, vas un peu de bif. Vous fiez pas à l'apparence mais regardez, hein, c'est une arme. Ah mais est-ce pas toi man qui est venu là? Tu es un gros con là. Oh, au carré VIP, tu m'as demandé quelques billets là au carré VIP. Un coup de parapluie là, tiens. Aïe, aïe, tiens, gros douceur. Ah putain. Putain, elle m'a mis un coup dans le crâne. Toi-même. Ah, je vois plus rien là, dans les yeux. En la caisse, descends de ma caisse là, voyou là. Vas-y, viens on l'allume là, viens on l'allume. Viens, on l'allume là, viens, on l'allume. Arrêtez les gars, total chill. Claire-le bien. Oh non, y'a la détraquée mentale, elle pue de la gueule, stupé, je me. Merde. C'est un cul, toi. Bon, du coup, c'est bon. Ah, yeah. Elle m'a envoyé un message, mais ouais. Ok. A qui un couteau là? Eh, arrête de mettre ton couteau en avant là. Ah, moi j'ai une batte. C'est pour dépouiller le man là. Prendre quelques pétards sur lui. Ah, il est parti, merde. Vas-y, mon pote. Descends, gros, merde, pardon. La prochaine. Tu veux que je me casse? Tu veux qu'il ouvre la portière? Non, en vrai, tu veux que je me casse? Non, vas-y, on va te payer un whisky, viens. On va boire un coup, viens. On va prendre En vrai, viens. Sérieusement, y'a pas de. T'habites où, man? Viens. T'as quel âge? Discuter un peu. Moi, j'ai 21 ans, cassez-moi pas. Tu fais quoi de ta vie? Viens. Paye juste son verre et je me casse là. Tu fais quoi de ta vie là, à part vendre des stupes? Putain, elle a pas vendu sa tête depuis. Tu m'as proposé de vendre. Ouais, mais ça veut pas dire que je vends. Ah, une tête de gamin de 3 t'as ans. T'as essayé de m'en vendre donc pour moi. Mais t'as vu ta gueule ou quoi là putain? La mille fallait se détendre là. Lunaire. Ah, j'aime bien, je l'aime bien. Il est vénère. Ça c'est en crise d'ado. Incroyable cela. Il a 16 ans là. Oh, j'ai 21 ans. C'est quoi ton blaze? Moi? T'as rien. Ils sont là-bas. C'est Shane. Shane, vas-y Shane. Un whisky pour mon ami Shane, la patronne, s'il vous plaît. Arrête de crier, vous pouvez parler encore, s'il vous plaît, merci. Ouais, ta gueule. Je te baisais dessus. Attends. Ah, du coup, Shane, t'habites où? J'habite pas loin, t'inquiète. Un quartier déjà? J'habite pas loin. En vrai de vrai, un j'habite. Un quartier de cœur de... Non, j'habite vers le casino. Un petit endroit, c'est délabré, assez cool. Non, tu cries trop fort. Ah ouais, cherche pas une famille. En vrai, je suis avec mes potes, hein, là bien. Tes potes, ce qui t'en perd? Je suis avec mon frère et mes. Quoi? T'as dit quoi? Ah, c'est vrai, c'est une ref. J'ai pas la ref. T'es avec tes vrais frères. Bon, c'est qui crie, là? Je vais le passer. C'est là, le mec là, lui là. C'est lui. Il est parti là. Arrête de crier, dernière fois. Il crie trop fort, la vie dans le mail, on peut pas engager une conversation. Vas-y, dis-lui, dis-lui. Oh, mais tu peux me le dire gentiment avant que je m'énerve. Ah, c'est mais vrai, je l'ai dit. Fais, il t'a dit ferme ta gueule. Donc ferme ta gueule. Qu'est-ce qu'ils sont, ils sont tous mal gênés. Continue à parler. Avec tes refs. Avec tes refs. Vous avez pas qu'ils aillent à la fête foraine si ça se passe. Des envies d'une grande vie, t'as capté. C'est vrai que ça se passerait mieux à la fête foraine. En vrai, je suis en train de faire le speech là. Attends, on t'écoute plus, c'est pas intéressant. Ouais, on parle vraiment de ça ici. Vas-y, continue ton speech. Il a révisé pendant 6 heures son texte. Ouais, du coup, tu passeras à la maison chez nous, on présentera la famille. Vas-y, hein. Tu passeras fumer. Non, mais il est pas obligé, hein. C'est. Après, juste, je serai obligé. Bah, attends, carrément, je vais le mettre. Ah non, t'es pas obligé, mais. Non, mais je serai obligé quand même de mettre mon masque en cas de. Mais il est pas obligé. Après, d'un côté, t'es mieux avec ton masque. On lui en parle ou pas du truc de cleaning là? Ah, c'est chaud, il va pas nous croire. C'est vrai qu'il va pas nous croire. Bref, moi, tout ce que je sais, c'est que avec grand plaisir, je viens boire un coup chez vous, mais bon, quand je viens chez vous, je mets un putain de masque. Parce que la gonzesse, elle pue de la gueule, quoi. Oh putain, il a que ça à dire, quoi. T'as rien d'autre dans le dictionnaire. Bref, hop. Eh bah non, finalement, il a rien d'autre dans le dictionnaire. Sa sale gueule de rat, là. Toi-même. Hop là. Oh, putain, mais... Ça se fait pas, sérieux. Oui.
Ouais, ouais, va danser, va danser, va danser. Alors les gars, qu'est-ce que vous voulez non, boire? On veut 5 cognac. Non, 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 moi sans bien. Alcool, allez, moi sans alcool. T'as retenu la leçon, c'est bien. Bon, pas parti, hein, déjà, le furet, moi je bois pas d'alcool. Ma chaise, s'il te plaît. Qui? C'est bien en tout cas l'œil, t'as retenu la leçon. Le furet, je te parle, passe-moi ma chaise. Putain, il y a des mouches ici, hein. Non, 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 mais pas lui. Lui c'est cher, c'est cher. Lui, on le ramène. Ah, excusez-moi. Ah. Pardon, monsieur, c'est pas passé. C'est quoi que ton piercing là? Eh, hey, toi, t'as un problème avec moi. Tu fais quoi avec ta grosse chaîne? Alors, non. Un cognac. Moi, j'ai une grosse chaîne. Pour... Je connais pas. Jeune homme. Non, je connais pas. J'ai ton collier pour chien. Merci. Ah, bah, je vous ai carrément donné les 5. Ah, je suis désolé. Tant mieux. Moi, j'en veux pas, je veux pas. Facture. J'en veux pas, je veux bah, pas. Bah, si ouais, tu viens de faire, tant mieux. Je bois pas d'alcool, moi, je bois pas d'alcool. Ok. Ah, tu veux, que je te... tu veux que je te mette autre chose? Donne-le-moi. Moi, sans alcool. Donne-le-moi. Sans alcool. Merci. Ouais, je veux bien. Ok. Vas-y, je paierai la prochaine facture. Il est où l'autre cognac là? À la B. À la grognasse. Non, non, tiens, tiens, tiens. Grognasse, c'est quoi ce mot? C'est la mode, c'est la mode. Il a dit grognasse, ce con. Ah là, merci. Ah, t'inquiète. C'est amical. Putain. Parce que j'aime bien. Amical, ouais. Grosse pute. Oh putain, j'ai un coup de chaud là. Fais gaffe, le temple, oh, tu viens de dire que tu m'aimais putain, bien. Ouais, oh, va falloir se poser. Oh putain. Ah ouais. Yo, c'est ça la vraie défense. Ça, c'est du 12 ans d'âge. Tiens. Merci. C'est comme ça qu'on le boit. Vas-y, on prend la. C'est pour moi la facture. C'est pas ça, là. Ah, c'est pour toi? Ouais, ouais. Allez-y. Moi, je suis chaud. Pour aller où? Pour aller. Je sais pas, mais. Pour conduire. Ton nom, s'il te plaît. Melvin. Tu veux conduire? Non, pour conduire, tu veux rider. Rider. Toi, tu veux qu'on crève en fait. Ah, j'avais con. Ok. Voilà. Petite cannelle. Bah, déjà de base, conduis pas, c'est pour une bonne raison. Oui, parce que j'ai un état dans lequel tu m'as ramené le moule bean. Mais c'était bien. Barman, tu nous offres un petit shooter. Mais sûr, c'était moi. Putain. Barbecue, c'est à moi que vous. Hein, vous demandez un petit shooter. Ah ouais? Oui. Mais quoi? Alors, oh, attendez. Dans de votre cas, là. Chaque patte. Ouais. Alors, un petit shooter, je peux pas les offrir à tout le monde. Je peux en offrir. Moi, je suis un bon client. Limité, un ouais, petit peu. Ok, j'arrive. Ah, moi, c'est un client qui s'en va. Ah, attendez, non, je reviens. J'ai réglé un truc. Elle tient pas l'alcool, sérieux. Là. Attends, tu vas régler quoi? Tu parles à moi? Ouais. Mais va droit au bus, s'il te plaît, moi, les tourneaux autour du pot et ça m'en. Je te dis. Quoi la discussion? J'appelle Andrew, il répond pas. Je me dis, ok, il doit peut-être être avec Fils. J'ai le numéro de Fils, je t'appelle. Du coup, t'appelles Fils, je lui dis, ouais, je sais que c'est toi, je joue pas au con, c'est ça? J'essaye de travailler un peu. Bon, je vois que. Pas encore, je suis pas certain que c'est toi, mais juste après. Vas-y, je te l'ai dit. J'apprends. Non, mais ça, tu me l'as déjà dit une fois que t'étais libéré. Mais juste après, j'apprends que, en fait, t'as tiré sur Lloyd. Et moi, je savais pas c'était quoi les raisons, tu vois le délire? Ouais. Du coup, c'est pour ça que je me suis emporté. Une fois que j'ai su les raisons, je me suis dit, ok. T'as fait de la merde. T'as aussi fait de la merde. Non, j'ai pas fait de la merde. Tirer sur quelqu'un, c'est pas faire de la merde. Non. Les gens, ils comprennent pas tant que tu leur tires pas dessus. Ils pissent sur des gens, ce con pas. Là. Mec, vous jure. Écoute, je lui ai déjà dit. Écoute. On t'a répondu qu'on faisait un braquage de banque. Tu m'as jamais répondu que tu faisais un quoi braquage de banque. J'ai pas sérieux. Quoi qu'il arrive, on a vendu otage tes potes. Ça s'arrête écoute, là. Écoute, je lui ai dit, je lui ai dit la même chose. Attends vite fait, Lloyd, attends vite fait. Et je lui ai dit la même chose. Moi, j'ai des otages, tu me fais ça, je t'allume. En fait, je t'explique. C'est compréhensible. C'est simple. Ça a commencé au moment où je suis arrivé en face de leur véhicule. Je les ai braqués. Il est descendu, il s'est mis à braquer. Ok. Et lui, il savait pas que c'était pour un braquage de banque. Même à partir du moment où je lui ai mis mon pétard sur sa gueule alors qu'il était encore dans son véhicule, il avait pas descendu, c'est fini. Sauf que ça, je le savais pas au moment t'as de t'appeler. Attends, t'as mis ton pétard, moi quand j'ai. Ah, tu bégayes, tu vois, tu sais même plus ce qui se passe. Moi, à ce moment-là, je savais pas que. Hey, tout le monde. Ah, l'ambiance. Yo. Yo. C'est clairement ce qui s'est passé. Pas du tout.
J'étais en face de toi, j'ai sauté la tour. De toute façon, il y avait plusieurs personnes. Ça va. Attends, mais t'es un. T'es la seule meuf au milieu des mecs. Moi, je suis sorti, il y avait personne. Je suis allé braquer. C'est parce que j'ai trop vu. Dans la voiture rose. Ah ouais, faut pas boire l'alcool, Naya. T'as raison alors. Eh, quand t'es défoncé, tu me trouves beau. Quand t'es défoncé, tu me trouves beau ou pas? Putain, c'est quoi cette caisse de détraquement? Croyable. Quand t'es défoncé, tu me trouves beau. Bah ouais, ça va. Ah ouais? Tu veux faire un petit tour après? Ah non, bah c'est bon, tour, je fais des tours déjà. Vas-y, bisous. Il pèse, ce mec. Elle a des voitures, lui, frère. Oh, ouais, il a une voiture du turfu, mec. Ah, ça, j'ai pas fait gaffe, moi, je t'ai vu. C'était gravement, frérot. Ils étaient à l'autre bout, tu sais, tout au bout de la petite ruelle de parking, tu vois ce que je veux dire? Donc, frère, le temps qu'ils arrivent, même à pied, frère, il raconte n'importe quoi, le bouc là-bas. Ce que je veux dire, le temps qu'il arrive à pied, frérot, et que nous, on s'est arrêté, et c'est impossible qu'il était à la voiture, tu vois ce que je veux dire? Oui, bref, on s'en fout. Sans, on bat les couilles, gros. Okay. Je sais pas comment, je sais pas à quoi ils jouent, gros, mais. Ils disent. On a pas perdu quelqu'un? Ils sont là-bas. Viens. Attends, les gars! Je vous le dis. Avant, j'étais gentil, on va dire exigeant. J'étais pas trop exigeant. Maintenant, il y a des trucs qui se passent comme ça devant moi, je tire. Ça va être très simple. Écoute. J'ai des otages, tu fais le monstre, je te braque en premier, tu fais le monstre, je t'arrose. C'est fini maintenant de parler. J'ai dit la même chose à Lloyd. Lloyd. J'ai dit la même chose. J'avais des otages à toi ou pas, Lloyd? T'étais pas devant moi, tu dis plus. J'avais des otages à toi, oui ou non? T'étais devant moi. J'avais des otages à toi, oui ou non? Même s'il n'y a pas ça. Même s'il n'y a pas ça. J'avais des otages à toi, oui ou non? J'avais des otages à toi, oui ou non? Pas fin. Gros, je voulais juste savoir ce que t'allais faire avec eux, c'est tout. Ils te laissaient partir, faire un rendez-vous au pire pour discuter de tout ça, savoir qui vous étiez. T'as bien entendu mes questions. Personne n'a répondu. Vous avez qu'est-ce fait que t'as couilles. Dit dès le début? Tu dis que tu veux tirer maintenant, tire. La prochaine fois, on tirera aussi, c'est pas grave. Tu vois ça le problème avec des gens comme ça, on peut pas avancer. Comment ça, des gens? Va te faire enculer, je parle pas avec toi. Comment ça? Bon, ce qui est fait, c'est bon. On va pas se rembrouiller. Je voulais juste te parler pour dire que. Vas-y, ce qui est fait, c'était un P7, ça aurait pu être pire. Et voilà. Mais c'est quoi ça, un P7? Mais c'est quoi cette histoire de P7? Mais écoute, mais attends, écoute, je te tire dessus avec un paintball, je peux te mettre dans un état de. Mon OG, t'as dit quoi avant qu'il soit mort? Il t'a dit quoi, mon OG? T'as dit qu'il gérait les trafics de P7. Mon OG Balas, OG Balas. Y'a que vous qui dites ça en ville, y'a que vous, hein. Alors, y'a que vous aussi. C'est qui disait ça? C'était mon OG ou pas? Et alors, j'ai une arme dans les mains. Mais toi, t'es un fou, toi. Toi, t'es dans la ville. T'es pas dit que ton arme, je t'ai pas dit que ton arme, elle fait pas peur. Je t'ai juste dit que ça aurait pu être pire. Ok, parce que ton pote, il réfléchit pas comme ça. Non. Je sais pas pourquoi il taquait bras, mais au début, il savait pas que c'était parce que. Non, il a mentionné le fait. Il a dit ça marche, j'ai un bébé. Ça veut dire quoi, ça? Quel ça? Ah, ton pote Lloyd, là. Non, mais bref, ce qui est fait, comme je t'ai dit. Vas-y, la prochaine fois, ça va pas se passer comme ça. Du coup, le P7, c'est une Impactis. Tu mets 8 000 dollars dans une Impactis. On t'a déjà dit, mon audit l'a dit. Le P7 est pas fait pour braquer des gens. T'es d'accord ou pas? Ah bon, ça sert à quoi alors? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ça sert à quoi? Dis-moi, est-ce qu'on est d'accord sur ça? Mon audit nous a dit ça, mais à quoi sert-il? Donc voilà. Et vous avez dit quoi à ce moment-là? Vous avez répondu quoi? À quoi sert le P7? Ok, on refera pas ce genre de choses. Pourtant, vous l'avez refait. Donc à quoi sert le P7, s'il te plaît? À faire une banque. Et donc on faisait quoi? Une banque, mais lui il le savait pas. C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, on va pas tourner en rond. Donc un P7, c'est à faire une banque, c'est-à-dire que les flics, il y a l'air du pistolet, ils ont peur, les otages ils ont peur, mais je braque un mec dehors avec, il a pas peur. Oui, mais lui il le savait pas, comme je t'ai dit. Bref, ce qui est fait est fait, on est d'accord ou pas? Moi j'ai aucun problème avec ça, c'est fin de l'histoire. Tout voilà, ce que j'ai à dire, c'est que t'as fait, j'aurais fait la même chose. Demain, t'es dans une boulangerie, y'a un mec qui rentre avec un pistolet de airsoft, tu vas pas t'amuser à dire c'est un vrai, c'est un faux. Tu vas l'air, tu vas chier dans ton froc et tu vas lui donner les sous. Écoute, j'aurais fait la même chose que toi. C'est voilà. Tout. Mais, je te dis juste que la prochaine fois, ça sera pas pareil. Tu vois, la prochaine fois, il coopérera ou si c'est l'inverse, tu coopéreras. Mais moi, je coopère directement, y'a pas de galère. Voilà, c'est tout. Bref. Vas-y, on va te laisser sur ça. En tout cas, moi, je voulais. Moi, comme je t'ai dit, quand je t'ai appelé, je savais pas qu'il t'avait quebra, que t'avais des otages. Et voilà, maintenant que je le sais, c'est mieux qu'on en parle et fin. Ah ouais, mais moi, j'ai aucun pro qui poque ça. Voilà, c'est tout.
Moi, il est là, il obtempère pas, je l'allume, je me taille, moi, fin d'histoire, j'ai oublié. Non, mais voilà, ce qui est fait, fait. Bref, on va te laisser sur ça. Ouais, bah du coup, viens là, petit porte-monde. Mais Andrew, du coup, là, toi, tu descends de la voiture d'un coup, tu te bats avec la perceuse. Et ouais, mais viens. Ouais, tu fais ta vie, quoi. On va faire un truc simple. Moi je parlerai plus. Et toi tu fais des trucs avec tout ce que tu veux. On dirait on est à Londres là, c'est un truc. Que je veux dire. Incroyable. Oui, t'as raison, on va peut-être le ramener au quartier. Ouais, genre. Un de ces quatre. Ouais, lui faut le ramener. Lui. Et Shane, t'as un 212 d'après ? Bien sûr. Lloyd, t'as pris sur 212 ou non? On prend l'eau, j'avoue. Ouais. Dites-moi ce qui note les mecs. Du coup, ça se fait comment, là? 215-768. 215-768. Je te laisse m'envoyer un message comme ça, j'enregistre ton blaze. Il veut absolument tirer avec son pétoir, je comprends pas là. C'est une arme à feu, mon boy. Bien sûr, mais tu sais qu'au début je croyais que c'était des trucs factices. Hein. Ouais, mais pas de ça. Trucs factices. Oui. J'ai pas l'habitude d'en voir un truc comme ça. Mais un mec te braque, Lloyd, tu vas pas dire c'est une arme factice, Lloyd. Bien sûr que non. Surtout la phrase de ouais, vous avez des bétois, j'ai un Beretta. Lloyd. Quoi ça, Lloyd? Je veux bien, Lloyd, t'es un autre boy, hein. Toujours du côté de mes boys, mais. Vas-y, tranquille, de toute façon. La chaîne T. Tu m'appelais, Blake, je pouvais pas répondre. Allô, tu bonne, bien. On est là et toi? Tranquille. Oh, ça va quoi, Driller, bien? Tranquillement, Blake. C'est quoi, Blake? Ça va quoi, Driller, bien? Tranquille, ouais, okay. Ça vit. Dis-moi, Blake. Quoi? Ça se chope comme ça, t'as pas des thunes pour moi? Non, pas, c'est une location, frère. Ah ouais. Je pense que les frères, on va dormir sur ça. Hein. Ouais, y'a moyen, ouais. Ouais. Vas-y, c'est carré, j'ai enregistré ton blaze. Yuki, parfait. OP. Moi, il se peut que ce soit quelqu'un d'autre qui te contactera après, je vais lui faire. Vas-y, c'est ramène-moi 3 blocs, Chibon, s'il te plaît. Vas-y. Vas-y, venons, on y va. Vas-y. Vas-y, les mecs, à plus. Vas-y. Vas-y, à plus. Conduit. Wesh. Attends, c'est... Ah, mais non. Ouais, j'ai compris. C'est que là, en gros, j'ai rejoint le groupe, quoi, en gros. Mais avant, j'étais dans le groupe avec Lloyd et tout. Du coup, j'ai plus accès, je pense. C'est quoi la scène? Putain, je me gourre tout le temps. Vas-y, après c'était chaud, j'arrive là. Tu veux vocal ou quoi? Ok.
cas. Et Mesta, Mesta. Ah, j'ai vite niqué ta race. Attends. Ah ouais, c'est bon. Tu bonne viens. Merde. Tu fais quoi là? Non, t'es défoncé ou quoi? T'as mis trop de whisky là? Tu vas où? Tu vas où? Cherche Inaya. Cherche Inaya. Lui chercher ma darling. Tu penses que c'est quand qu'elle en aura marre que je l'appelle darling? Et quand... quand elle en aura marre, je pense que tu le sauras. Elle te coupera une couille ou deux. Oh, mais c'est bien. Comme ça, je ferai pas de gosse. Le mec, trop bizarre. Non mais comme ça on pourra appeler Mikouille. Mais par contre la voiture elle... Tu vas faire quoi? Je sais pas. Je sais pas du tout. Putain j'ai... C'est calme hein. Eh. Mais c'était le bouffon vert. Mais c'était la voiture du bouffon vert, c'est sûr. Mais elle est où? Intérieur, non? Attends, je vais la chercher. Attends, je vais l'appeler. T'as pas contact avec eux? Tu connais Stretch, je sais pas quoi, là, les anciens ballasts, tu connais pas? Pourquoi? Stretch, je sais pas, un ancien ballast. Je sais pas, parce que... On parle avec des mecs, là. Ouais. Ah, c'est bon. On peut aller me déposer à ma moto, là. Un... Vas-y, allez où? J'ai la pause. Allez, monte dans mon carrosse, darling. Alors attends, je vais te retrouver la pause. Ouais, mets-moi la position, darling. Je crois que c'est ça. C'est où? 2 km? Attends, je suis pas sûr que ce soit ça. Bah tant pis, on y va. Si, c'est ça, je crois. Eh bah, je m'en bats les couilles, on y va. Ta 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 ta. Vous avez reconnu? Non. Oh moi je peux la caser. C'est Mario. C'est mort. Non c'était peut-être pas Mario, attends c'était quoi tiens? Si c'est Mario, la musique. Eh hey, Melvin. Ouais. Putain. Quoi? Eh, t'es fatigué. Ça va. Toi aussi, Naya? Non, ça va. Ok. Mais je sais pas, ta petite mine. Oui, non, t'as moi. Non, pas du tout. Petite mine. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Bon, rien. Bon, rien. Ah, tu veux acheter des masques? Ah non. Mais tu m'emmènes où là? Quoi? C'est pas là, putain. Ah si si. Attends, recule. Mais quoi? Mais... Recule. Logger. Ah là, nickel.
Vas-y, j'arrive après, je vais faire un truc, je prends ma moto. Ok. What the fuck? Je comprends rien. Elle est étrange, hein, parfois. Tu la connais depuis longtemps? Ouais. Elle est souvent bizarre comme ça, faire des trucs comme ça, en toutoune. Mais c'est quoi en vrai? Oh, je sais. Attends, je vais l'appeler. Je sais, c'est une baronne de mafia. Non. C'est ça. En fait, elle nous cache ça, en fait. C'est une meuf, elle gère tout un réseau de hackers et tout. T'es planté là. Et en fait, elle fait semblant d'être conne. Contrairement à moi qui est vraiment con. Ok, bon. Je me suis pas planté, tu vois, c'était un raccourci. Ouais, un raccourci, je suis pas sûr, mais. Aïe! Nique ta mère! Je pensais que c'était un poteau qui se pétait! Ah, ça va, tu connais la règle. C'était pour te tester. Toujours attendre qu'on soit vraiment arrêté pour s'arrêter, pour descendre et surtout attendre que le conducteur sorte en premier. Ah, t'inquiète, t'inquiète. Vas-y, toi, tu dors ici, toi? Moi, je vais bouger, je pense. Que... Tu veux qu'on bouge? Moi, j'allais me coucher, moi. Là, tu vas te coucher? Ok, bah, je vais. Je pense aussi, du coup. Je vais faire comme toi. Tu prends quoi? Tu prends le 4x4 ou tu veux que je te dépose? Bah, moi, je vais te montrer ma demeure. Que, tu veux que je te montre quoi? Tu m'as montré. Moi, j'habite encore GS. Bah, tu sais, je mets ma bécane dans le garage à Inaya. Ouais, je sais pas ce que je fais après, j'hésite à faire squad. Du squad. Hein? Ouais, ça te tente du squad? Ah, oh, là, je peux pas. Faut que je le réinstalle chez moi et tout. Ah. C'est pas long à installer, non? Non. Ah ouais. Ça peut être long. Peu, ça peut. Et toi, Melvin, ça te tente pas, squad? Oh, ça me dit rien. Il faut prévoir, c'est un en plus, je crois que je l'ai même pas installé aussi. Non, parce que moi, V-Rising, j'ai arrêté finalement. J'ai décroché. Ça y est. Au bout de 16 heures de jeu. Mais c'est parce que V-Rising, vas-y, tu joues en PvE, frère. Bah ouais, pour deux. Parce que je pensais c'est éclaté qu'il était le PvE, bien, c'est un jeu. Non, PvP, c'est mieux, V-Rising. Ah, par contre, les boss sont quand même difficiles, hein. Ils sont challengeurs un peu. Genre, le PvP, c'est comme du Battle Royale. Bon, c'est pas du Elden Ring, c'est vrai, mais bon, c'est. Ouais. Sinon, attends, on peut se trouver un petit truc là à 3. Oh. Phasmo classique. Phasmophobia. Je l'ai pas installé, hein. Mais putain, t'as rien installé, tu saoules. Oh, je vais t'enculer, toi. Tu vas enculer rien du tout, allez. Va. Tu vas enculer quoi? Qui? Ah là là. Ça pour une flicade de merde en plus. On pourrait être tranquille, hein. Ouais. Tu vas aller où? Là, il veut juste balayer quelqu'un avec la. Mais t'as rien, toi, comme jeu? La FIFA. Ah. C'est ça, FIFA. Ah. T'as pas genre. Tiens, chat. T'as pas genre du LOL ou Rocket League ou. Demain, peut-être. J'avoue, je vais. LOL, j'aimerais, je vais. Vas-y, vas-y. Vas-y, big up. Vas-y, big up. Vas-y, bonne nuit, les gars. Vas-y. Hop là. Putain, Smoky, je vais t'enculer. Putain, je suis KO. C'est quoi la fin de l'histoire là? Fais-la moi, toi, et t'as dit quoi? Parce que... Et moi, je l'ai juste dit, vas-y. Ah bon.
savais pas que c'était pour une banque. Aïe. Non mais t'inquiète, t'inquiète. Allez. Moi je m'en bats les couilles. T'aimes bien courir hein. Tu t'en bats les couilles toi aussi. Hi Michael. Hi Billy. Billy, I can touch your sky. Non mais écoute, la prochaine fois, je te jure que... Oh déjà, bon, pas en vrai de vrai... C'est que vous êtes dans le nord aussi. Mais non, à, mais non, mais j'étais là. Parce que moi, j'étais persuadé que frère, les renforts, ils arrivaient là, comme on était à côté. J'étais là, j'étais vraiment là, mais sauf qu'ils t'avaient déjà allumé en fait. En fait, j'étais en train de tenir, tu vois, le temps, j'essayais de discuter, de ce qu'ils voulaient, et ils répondaient pas, frère. Je disais à Smokey, t'es où ? Il me dit qu'il a dit qu'il les emmenait braquer une banque. À aucun moment j'ai entendu, je leur ai demandé, je les ai fait répéter plusieurs fois, ils voulaient pas cracher le morceau, toi. Si j'avais pas entendu, le fait que je fasse répéter, ça montre que j'entends pas, tu vois ce que je veux dire, si jamais... Non, mais... J'arrêtais pas de demander, vous allez faire quoi ? Vous allez décider de s'en bat les couilles. Mais juste, je comprends pas pourquoi les frères ils cassent les couilles pour ça, toi. Ouais, t'as quoi, t'as quoi comme jeu là ? T'as quoi ? Moi j'ai League of Legends, Rocket League. T'as pas Red Dead Redemption? Non. Rocket League, ouais non. League of Legends, mais t'as pas des jeux pour les gens faibles, tu vois, pas des jeux de gens compétitifs. Non, moi je suis un joueur compétitif, voilà. Vas-y, t'as Fortnite? Après j'ai V-Rising, mais c'est PVP. Non, mais Fortnite, je joue pas Fortnite, frère. Mais putain, mais qu'est-ce que vous avez tous contre Fortnite? C'est moi, depuis qu'il y a eu l'arrivée des robots, frère, le jeu il m'a dégoûté. Mais non, il est trop bien maintenant, t'as un mode sans construit. Maintenant, quand j'entends Fortnite, gros, je dégueule dans ma bouche. Mais t'as un mode sans construit? Ouais, je sais, mais ça pue. Je déteste les Battle Royale. En plus, je déteste les Battle Royale. Mais tu rigoles, je suis sûr que t'as sucé tous les Battle Royale quand t'as remarqué le mode de Battle Royale. Alors là, jamais de la vie. Je suis sûr là du haut de tes 10 piges là t'es en train d'éclater dessus à tes 10 piges ouais, sur un à mon avis mes 10 piges le jeu il existait pas quoi. Et pourquoi t'as quel âge Melvin? Je dégueule. Je vois, t'inquiète pas. Je t'ai niqué là, je t'ai niqué. Oh, vous voulez faire quoi? De toute façon, y'a rien d'ouvert là en vrai. En ce moment, c'est pareil ça. Du coup, t'avais quel âge? Gros, on était au Unicorn, il y avait deux pélos à l'intérieur, frère. Il y avait un mara. Et c'est quoi ça en ce moment? Y'a rien le soir? Ouais. C'est dingue ça. En fait, à part sans te tuer. L'autre fois, on a fait un petit paintball. Il y avait du karting, des trucs comme ça quoi. Mais si, c'est des trucs organisés quoi. Il y avait du karting, il y avait du vélo. Bon, le vélo c'était pas ouf. Il a trouvé un blaze. Moi je valide de ouf. Les 16 blocks. Enfin, le 16 block. Ouais, c'est stylé. Et ça, genre, on nous appellera les 16. C'est ça le nom qu'on a dit tout à l'heure, non? Bah, c'est pas ça, je me souviens plus. C'est quoi qu'on avait dit? Ouais, si, c'était ça. Je sais pas si on vous l'a dit, mais je le répète en tout cas si on l'a déjà dit. 16 block. 16 block. C'est pas facile à dire, mais. Ici, le quartier s'appellera 16 block, mais après, on nous appellera les 16 blocks. 16. Ouais, ok. C'est un S, 16. C'est au pluriel, toi, c'est un gros. Ouais, 16. Putain, première soirée, déjà de la D, quoi, j'y crois pas. En plus, c'est toujours moi, de toute façon. De quoi? Je fais de la D. T'en bats les couilles, je te. Ouais, t'inquiète. Bon, on se pète sur Fortnite. Vous voulez pas Fortnite, tu l'as dit. Mais ils sont construits. J'ai mon FIFA, frère. J'ai fait ça, vas-y, on verra demain pour le reste. Alors, moi, FIFA 2009. Arma Reforge. Arma Reforge, au pire. Je raconte. Vas-y, il me parle. Là, il y a trop. Il faut télécharger trop de trucs, là. Bon, bah, squad. On reprend squad. Ah, bah, ça, ouais. Faut que j'installe. Tu m'as raconté, Smokey. Sur l'ordi d'en haut là. Ah bah achète squad et puis viens dans l'infanterie avec nous. Eh, vous avez pris un apport ici? Oh. Ouais, moi à côté. Ah oh, mais ouais, les moines, c'est la pratique pour moi. Je prends pas de grosse à chaque fois. D'ailleurs, je vais rentrer. Non, bah non, mais les agents immobiliers ils cassent les couilles avec les trois tours. Je vais te montrer. Mais ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit on te met qu'un T2. Tu veux montrer quoi toi? Bah au début, ouais, mais c'est minimum T3 en gros. En gros, ils ont dit T2 parce qu'ils ont déjà loué un T2. Enfin, il y a une meuf qui a déjà loué un T2. C'est Johnny qui a un apport. Ouais, bonne. De l'autre côté de la tour là. De l'autre côté, comment ça? Ouais, derrière.
Ouais, ouais. Mais t'as pas d'appart, toi. Non. Je voulais juste voir comment c'était, genre, à l'intérieur. Ouais, non, je sais pas, j'ai... Ils vont faire quoi, là? J'ai pas compris. En plus, ils vont tracer avec leur truc. Ils ont bougé où? Allez, on te capte sur Fortnite. Vas-y les mecs. S'en construit. Je vais dormir, bonne nuit à vous. Vas-y, bonne nuit. Ouais, viens sur Fortnite, mode s'en construit. C'est quoi avec Fortnite? Eh, ça te dit pas qu'on aille prendre des... qu'on aille se bander là à l'hôpital? Je vais aller dormir. Homme de faible. Tu es faible. Ouais. Tu es faible. Tu es faible, Didi. Je t'ai niqué. Tu vas rien niquer du tout. J'ai vraiment pas fait exprès. Non mais je voulais monter, c'est réel, je voulais monter. Je fais l'enculé, il me casse les couilles. Si t'es avec la base, t'es le patron de la moto, hein. La vie de moi, t'es pire qu'une meuf, frère. Comment ça, je suis pire qu'une meuf? Attends, je suis pire... Va faire chier, Naya. Attends, je suis pire qu'une Naya. Ouais, va faire chier, Naya. Monte. Vas-y, hop là. Comment ça, je suis pire qu'une Naya? Mais là, je vais à GS, hein. Attends, est-ce que je suis... Oui, bah vas-y. Est-ce que je suis pire qu'une Naya? Non, dans le sens, genre me casser les couilles, prendre ma bécane, me taper, trucs comme ça, ouais. Pire qu'elle? Ok. Attends. Elle est où, elle, d'ailleurs? Ah bah, elle répond pas. Ouais. Direct raccroché au nez. Elle doit être occupée. Peut-être hôtel. Ouais. Mais tu voulais pas que je te dépose dans l'appart, toi? Non, je veux bien que tu me déposes à la fourrière. Que je sais plus. Non, 24-7, passe devant le 24-7. Il faut que je récupère ma voiture. Vas-y, mets-moi un point. Faudrait voir là quelle voiture ils envisagent de prendre, c'est pour le bloquer tout là. C'est vraiment l'an de base, mais là à 2 c'est encore plus long. Et par contre, ouais. Il est quelle heure? Ah ouais, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas trop de monde, mais ouais. Ouais, non, mais il est tard là. Non, mais quand même, d'habitude il y en a un peu plus, non? Ouais. Vas-y, bonne nuit, gros. Sa mère.
Oh, j'ai peur. Moi, j'ai plus maison. Ah, si. What? Attends, mais. C'est un con. Ah, dans 18h. Demain, j'ai plus de maison.